Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes début février et là il fait très froid, les températures sont négatives. Nos petits amis les oiseaux ont du mal à trouver leur nourriture. Donc il est nécessaire de leur apporter un complément alimentaire. Et pour ce faire, je vais vous faire voir aujourd'hui comment construire en urgence une mangeoire pour nos amis les oiseaux. Alors cette mangeoire, elle est très simple, mais elle est très efficace. Donc pour fabriquer cette mangeoire, il suffit de vous procurer, ça vous avez certainement ça chez vous, un bidon de ce type-là, un bidon de 5 litres. Alors ce bidon contenait de l'eau déminéralisée. Donc c'est bien parce que bon, on n'a pas besoin de faire un nettoyage approfondi pour le transformer en mangeoire. Il est déjà quasiment propre. Donc sur ce bidon, bon là, j'ai enlevé l'étiquette pour ne pas faire de pub, mais ce n'est pas nécessaire. Vous allez voir pourquoi. Alors pour fabriquer notre mangeoire, il vous faut donc un bidon. Vous allez devoir vous munir d'un cutter. Il vous faudra une perceuse avec un foret de 4 ou 5 maxi. Environ 30 cm de fil de fer, ou si vous n'avez pas de fil de fer, de la ficelle fait aussi bien l'affaire. Donc pour fabriquer notre mangeoire, nous allons découper notre bidon comme ceci sur les deux faces. Alors sur les deux faces, parce que ce bidon-là, moi je vais l'accrocher dans un arbre, donc c'est plus facile pour les oiseaux de venir de chaque côté. Mais si vous voulez la poser contre un mur, voilà, bien sûr, vous découpez qu'une seule face. Alors on va procéder donc au découpage du bidon à l'aide du cutter. Alors attention, hein, le cutter, c'est un outil très dangereux, hein. Alors on plonge la lame, voilà, comme ça, jusque. On plonge la lame, voilà, jusqu'à la partie métallique du cutter, là. Et en fait, on suit sur le bidon les. Vous voyez là sur le bidon, hein, c'est le marquage de l'étiquette en fait, là, l'emplacement de l'étiquette. Hein, on suit tout simplement ça. Bien plonger la lame. Toc. Donc voilà, on a fait un côté. Maintenant, on va procéder à l'ouverture du deuxième. Donc voilà, notre mangeoire pour oiseaux est quasiment terminée. Voilà, donc nous allons maintenant faire le système de fixation. Alors, on pourrait mettre le fil de fer directement comme ceci, mais dans la poignée, vous voyez, ça a tendance à glisser et à faire basculer la mangeoire. La ficelle, c'est pareil, ou alors il faut vraiment bien la serrer, mais ça a toujours un peu tendance à glisser et à faire basculer la mangeoire. Donc pour que la mangeoire reste bien droite, voilà, on va percer un trou. Là, c'est un foret de 4, mais bon, vous pouvez prendre jusqu'à 5. Ici, au niveau de la poignée, là. Voilà, ça se perce tout seul, vous voyez. Hein, on fait un trou. Et donc ensuite, on va mettre notre fil de fer, comme ceci. Et là, c'est un fil de fer de forte section, donc il fait crochet. Donc voilà, donc on l'accroche et voyez, là, ma mangeoire
est bien stable. Donc là, elle est prête. Donc, avant d'aller l'accrocher dans un arbre, bon, il suffit de rajouter du grain. Voilà, donc là, c'est du blé. Voilà. Donc on en met dans le fond un petit peu. Voilà. Donc voilà, notre mangeoire pour oiseaux en 2 minutes. Et je vous assure que c'est très efficace. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous allez pouvoir fabriquer des mangeoires pour nos amis les oiseaux. Donc, si cette vidéo vous a plu, eh bien, merci de me laisser un like. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!